Afin de pouvoir profiter des plus grands bienfaits de l'huile d'olive, nous devons nous rassurer que ce soit l'huile d'olive extra vierge et pressée à froid. Nous pouvons en profiter donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications cling clang cling 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 afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti. Ce type d'huile contient des quantités importantes de graisses monoinsaturées et d'acides oléiques, deux éléments qui sont en lien avec une réduction du risque de survenance d'une maladie coronarienne. Ce produit a fait l'objet d'une grande enquête il y a quelques années. Le nombre de ses bienfaits, tant pour la santé que pour la beauté, ont été découverts. Elle aide à perdre du poids. L'huile d'olive extra vierge peut être d'une très grande aide pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. Cela est dû à la sensation de satiété qu'elle apporte, mais aussi aux graisses saines qu'elle contient, capable de stimuler durablement la perte de poids. C'est-à-dire que ceci accélère le métabolisme et facilite la perte de poids. En numéro 1, l'huile d'olive prévient la dégénérescence mentale. Grâce à sa forte teneur en graisse saine monoinsaturée, l'huile d'olive permet de retarder, voire d'empêcher la dégénérescence mentale, qui est en lien direct avec l'apparition de maladies mentales, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. En numéro 3, elle a des propriétés anti-cancer. Une étude récente a pu déterminer que les personnes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont moins de risques de souffrir d'un cancer que celles qui n'en consomment pas. Cet effet serait dû à la forte teneur de cet ingrédient en acide oléique. Il s'agit de l'acide gras qui prédomine dans sa constitution. En numéro 4, elle combat le diabète. Une récente étude publiée par la revue scientifique du diabète au Caire a démontré que le régime méditerranéen, dont l'huile d'olive est l'un des piliers, est capable de réduire les cas de diabète de type 2 de plus de 50%. Cela est dû à la teneur en graisse saine de l'huile d'olive qui permet d'aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang et la production de l'insuline. En numéro 5, elle fortifie le système immunitaire. Le système immunitaire est très important pour la santé car il est responsable de la lutte contre les virus, les bactéries et les micro-organismes qui provoquent les maladies communes et chroniques. En numéro 6, elle diminue la pression artérielle. 3 cuillères par jour d'huile d'olive peuvent aider une personne à diminuer sa pression artérielle. Selon de nombreuses études, les graisses saines contenues dans l'huile d'olive peuvent aider à réduire la pression artérielle diastolique et systolique. En numéro 7, elle régule le cholestérol. L'huile d'olive est un excellent allié pour réguler les taux de cholestérol et aussi pour éliminer les excès de mauvais cholestérol dans l'organisme. Comme on peut dire tout simplement que ceci élimine l'excès de cholestérol sanguin. Les graisses monoinsaturées qu'elles contiennent permettent de stimuler la production du bon cholestérol. Elles favorisent aussi l'élimination de la mauvaise version de cette substance qui est sujette aux polémies. Les huiles d'olive vierges extraites à froid sont l'une des meilleures huiles que vous puissiez consommer car il a été démontré dans de nombreuses études qu'elles contribuent favorablement à la santé. Cependant, toutes les huiles d'olive vierges ne sont pas les mêmes. Il existe différentes qualités qui doivent être prises en compte lors de la sélection d'un produit sur le marché. Alors, pour ce qui est de quelques indices des qualités saines des huiles d'olive vierges, les huiles d'olive vierges sont obtenues à partir du fruit de l'olivier, par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions principalement thermiques, qui ne produisent aucun type d'altération. L'huile d'olive est un élément fondamental au régime méditerranéen. De nombreuses études montrent comment l'huile d'olive vierge, en particulier l'huile
d'olive extra vierge aide à prévenir des maladies cardiovasculaires grâce à son apport en acide gras de la série oméga 3. Quelle est la différence entre l'huile d'olive vierge et extra vierge? Je vais vous clarifier tout de suite. L'huile d'olive extra vierge et l'huile d'olive vierge sont des huiles de la plus haute qualité. Elles sont 100% issues du jus de l'olive, mais l'extra vierge est une huile de qualité supérieure obtenue à partir d'olives à leur moment optimal de maturation et uniquement par des procédés mécaniques. Tandis que l'huile d'olive vierge subit une certaine dégradation au cours de l'obtention. Une autre différence est leur degré d'acidité. L'huile d'olive extra vierge est plus alcalin que l'huile d'olive vierge tout court. Par conséquent, en termes de composition nutritionnelle, l'huile d'olive extra vierge est de meilleure qualité que l'huile d'olive vierge tout court. Vous savez, si vous cuisinez avec l'huile d'olive uniquement, ça serait parfait. N'utilisez pas l'huile d'olive pour faire les fritures comme les frites de pommes et autres. D'ailleurs, vous savez déjà que si vous voulez rester en très bonne santé, pas besoin de consommer trop de fritures. À cet effet, pour l'utilisation de l'huile d'olive pour les cuissons, la température normale de cuisson ne dégrade pas les éléments nutritifs de l'huile d'olive. Donc, à cet effet, vous pouvez carrément utiliser ça pour faire à manger, afin d'éviter de consommer des produits cancérigènes qu'on trouve dans les autres huiles du marché de toutes sortes qui sont bourrées de produits néfastes pour notre santé, malheureusement. Mais en dépit de tout, il est très important de se rassurer d'avoir vraiment de la bonne qualité d'huile d'olive extra vierge, afin de ne pas consommer également les contrefaçons qui se trouvent sur le marché, qui pourraient même être encore plus dangereuses pour votre santé que les autres huiles normales. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ceci qui vont vous aider à mieux prendre soin de votre bien-être au 100% naturel, abonnez-vous, likez, commentez, partagez avec la famille, les amis, au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Alors, dites-moi également le nom du pays depuis lequel vous me regardez afin que je vienne laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. D'ici là, prenez soin de vous, prenez vos bisous comme ça. Ouais, bisous, bye bye.